Salut à tous, c'est Narb de retour sur le magnifique jeu The Land of Pain. Après avoir vu un homme se faire éjecter, lamentablement, allons à la rencontre de la créature de Ch'tululu. Ch'tululu ? Ch'tululu ? T'étais dans le trou là ? Est-ce que je dois aller là-dedans ? Bonjour. Je ne veux pas finir comme ce pauvre homme, rien ne fera entrer là-dedans. Ok. Je suis assez d'accord. On va faire demi-tour, hein ? Salut. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? Oula, t'es pas en bon état. Qui est-ce qui a pu faire ça? Je sais pas, la bestiole qu'on voit depuis tout à l'heure. Et sa peau, c'est étrange, elle est beurre, rugueuse et épaisse, se toucher comme du cuir. Ok. Qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Une clé, je devrais la prendre. Très bien, pourquoi pas. Est-ce que je peux rentrer là-dedans maintenant? Non, je ne peux pas l'ouvrir. Maybe, peut-être que je dois aller retourner à la porte où il y avait du sang. C'est toujours un bon indicatif qu'il y a quelque chose. Que quelque chose est caché. Bon, les élus ont pas fait long feu, hein, par contre. Je suis en train de vivre un cauchemar. Quelque chose a tué ce pauvre homme juste devant mes yeux, en le jetant à plusieurs mètres de distance. C'était un peu rigolo, quand même. Je me suis approché du cadavre et j'ai remarqué que sa peau était très étrange. Mais ce que j'ai vu dans cette maison qui m'a... C'est ce que j'ai vu dans cette maison qui m'a profondément bouleversé. Qu'est-ce qui peut avoir fait subir ce genre de choses à une personne? Il y avait du sang partout et les os tenaient ensemble par une étrange substance. J'ai trouvé aussi des pages d'un journal où on parle de la découverte d'un antique livre et de la tentative de découvrir des secrets d'une machine qui semble très ancienne. Je dois me dépêcher et me trouver un endroit sûr. Passer la nuit. J'ai entendu un bruit. Je reste pas là. Je me casse. Non. Non, je suis gentil, je t'ai pas invoqué moi. J'étais très très gentil. J'étais tout mignon. Pitié, ne me envoie pas en l'air. Ne me vide pas de mon sang. Non. Pas derrière moi. Hein. S'il te plaît. Je suis gentil. Non, c'est creepy. Je ne suis pas là. Ok. Est-ce que tu es là? Non. Il faudrait une lanterne. Ou un truc du genre. Non. Non. C'est pas la peine de couiner. Tu n'auras pas mon sang. Va couiner ailleurs. Va couiner ailleurs. Non. Non. Va couiner ailleurs. Ok. Je sais pas si je fais bien de m'accroupir. Je pense que je peux courir, hein. Ça a l'air safe. Évidemment. Totalement safe. On va retourner hein, là-bas. Peut-être quelque chose. Pas derrière moi, hein. J'ai dit non. Ok, ça fait bip bip ici. On retrouve le bip bip. Ah, je l'ai ouverte. Tada. Ouh. Je savais que ça allait m'ouvrir la porte ensanglantée. Ok. Donc je suis... Boss qui vient d'ici. Que la créature vient d'ici. Il y a quelque chose ici. Dis-moi que j'ai quelque chose. Vieille lanterne. Ouais, on va pouvoir voir. Est-ce que c'est utile que je l'éteigne? Non, j'ai pas dit de fermer la porte, hein. Je t'assure. Nous étions en train d'aller vers le portail quand la créature est apparue soudainement. Heureusement, nous avons réussi à trouver un abri. Notre camarade a été gravement blessé et je ne crois pas qu'il survivra. De ce que nous avons vu, est horrible, ce monstre a déchiré la chair et... Je suis désolé, hein, des fois je saccade quand je lis, mais... J'ai entendu une... J'entends des trucs. C'est fermé à clé. Il va falloir que je trouve la clé. Les casiers sont recouverts de sang, ouais, merci. J'adore quand ils te disent les trucs évidents. Ok, je ne peux pas passer. Petite clé? Là? Là? Non. Par là alors? La seule voie possible? Ici. Mais si la créature est à l'extérieur et qu'elle s'est enfermée dehors, je suis sauvé?
Je suis tranquille. Tout va bien. Rien ne me sautera dessus. Hello? C'est quoi ce bruit? Non! Est-ce qu'il y a quelque chose? Hello? Il y a quelque chose? J'ai comme que l'impression qu'il y a quelque chose là, non? Oh, magnifique! Génial, je suis content de découvrir, examiner. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Une chambre de torture? Je sais pas. Vidée du... Encore du bruit? Mais ils l'ont invoqué en fait! Qu'est-ce qu'il me manque? Oui? 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 Ben j'ai voulu t'ouvrir mais ça marchait pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ce problème? J'ai jamais senti des cris si terribles. Je n'ouvrirai pas cette porte, pas pour tout l'or du monde. Pourquoi il y a plein de nuit? Pourquoi le son s'excite là? On est bien, on est tranquille. Laissez-moi. Pitié. Ces machines sont rouillées, ce lieu est en mauvais état. Mm-hmm. Ça a l'air en tout cas. Ça a l'air. Moi je suis innocent mec. Je t'ai pas invoqué hein. J'étais là, j'étais tranquille, il y avait une bouboule qui pendouillait. Nous sommes ici depuis des heures, mais ce monstre est encore dehors. Si nous ouvrons la porte, ce sera la fin pour nous. Ce bâtiment a conduit d'évacuation qui se termine dans un ravin pas loin. Nous devrions pouvoir passer par là pour sortir discrètement. Nous devons trouver une manière de faire baisser l'eau dans les bassins et découvrir où le conduit commence. Le problème, c'est que... Si la créature existe et qu'elle est à l'extérieur, même en suivant le conduit, au bout d'un moment, on ne pourra pas sortir. La pression est très haute, les tuyaux peuvent exploser d'un moment à l'autre. Ok. Bah, je crois qu'il va falloir que je fuis rapidement. Je pense. Ok, y'a rien là. Bon bah on va continuer hein. Vers le sang. Hello? Chaud dans l'eau? C'est mieux si je ne passe pas par cette balustrade. Si je tombe là dedans, cette urine me mettra en pièces. Oh si peu. C'est rien ça. Bloqué par la roue, je dois retrouver quelque chose pour le débloquer. J'ai vu qu'il y avait des trucs. Tu me dis qu'il n'y avait pas d'outils. Mais dans l'autre pièce il y avait des trucs hein mec. Ok. J'aime pas les sons. Je vais me faire pipi dessus. Là, regarde. On peut servir de ça, là, non? Tool. Regarde, c'est les bâtons. C'est des barres de fer, ça. Je suis pas fou, quand même. Ce sont des barres de fer. Ah, 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 graisse lubrifiante. Voilà. J'avais raté un truc. Je savais que j'avais raté un truc. Évidemment, caché au tréfonds... de l'escalier. Non. Et j'ai toujours peur que quand je déclenche un truc, que je récupère un objet ou autre, ça me met une créature qui apparaît tout soudainement. Quick, 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 quick. Allez, ça va bien glisser là. Vas-y, tu as mis la graisse lubrifiante. Ok. C'est bien lubrifié. On devrait pouvoir descendre maintenant. Ça bouge. C'est pas bon signe. Est-ce qu'il y a un truc qui va sortir? Non. Non, ça a l'air d'aller. Ça bouge pour rien. Oh là là. Tout ce drama pour rien. Attends. Ça peut encore sortir. Ah non, c'est la turbine. Ah oui, effectivement, ça aurait été emmerdant qu'on chauffe dedans. J'attends à ce que je passe dedans. Ok. Il y en a un qui est passé dedans en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Les trucs que je dois prendre dedans. Là. Oh. Au revoir. Au revoir monde cruel. Et créature étrange. Ah, je peux courir quand même. Salut. Qu'est-ce que tu es? Une branche? Tu ne bouges pas? Ça va, elle bouge pas. Oh. Non, c'est rien. C'est l'algue qui est revenue en place. Bonjour. Ceci est un être humain, effectivement. Ça peut faire peur.
Un autre squelette. Il a subi le même sort que le premier. Bordel, je dois m'en aller ici. Le plus étrange, c'est pourquoi bouffer le mec et en faire des os et les recoller ensuite avec une substance. À moins qu'il les avalé d'un coup, il les régurgité d'un autre coup. Pourquoi j'entends des bruits? Il y a une lumière là-bas. C'est pas la lumière au bout du tunnel, j'espère. Hein. Hello? Est-ce que je peux passer là? C'est bloqué. Je peux passer en dessous? Non. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a Georges qui nous attend sur le côté, mais on peut rien faire pour Georges. Là, il y a un truc. Barre de fer. Ah! Et là, on a Pedro qui est là. Et il y a l'eau qui monte. Et c'est la merde. Est-ce que je peux m'en servir pour ouvrir la trappe? J'ai un truc pour pouvoir. Pour ouvrir. Oh oh. Oh oh, ça pue. Ça pue. Oh merde. J'aurais dû courir tout de suite. Oh la turbine. Oh la turbine. Oh. Turbine, turbine. Pourquoi la musique? Y'a rien! Non! Non! Je ne mourrai pas! Oh, la turbine, je l'ai évité, mais je ne sais pas comment. Ouh! Eh bien, ce fut bref mais intense. Par où est-ce que je dois aller? Par là? Pourquoi ils ont remonté l'eau? C'est lui qui l'a activé? Bon, bah écoute. Je sais pas à quoi ça va me servir, hein, la barre. Pour ouvrir la porte, là, peut-être. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, je peux pas. Il ne veut pas que je l'ouvre. Ok. Mais tu veux passer par où, mec? Puisqu'on a vu que le conduit pouvait nous amener à l'extérieur. Est-ce que je me suis planté? Non, la trappe, je pouvais pas l'ouvrir. Hein. Ok, peut-être que je dois retourner à l'extérieur. Sortir. Non. Hello? Est-ce que je peux m'en servir? Est-ce que je peux m'en servir? Ah ah! Je peux m'en sortir? M'en servir pour sortir? J'ai cassé les serrures, malheureusement la barre s'est brisée. Dommage, ça aurait pu nous servir. Et maintenant je fais quoi? Non, t'as rien à me dire? Ok. Eh ben, on retourne avec la créature s'il a un truc à me dire. La structure souterraine. Je suis piégé dans ce bâtiment, mais heureusement j'ai réussi à forcer la serrure, la porte d'entrée et à sortir de cet endroit maudit. Une créature terrible est en train de tuer tout le monde et il semble qu'elle se nourrisse de la chair humaine, pas des os. Quoi qu'il en soit, il était là-dedans à côté de moi. Ah bon? À part à la porte à côté, il n'était pas avec nous. Hein. J'ai réussi à trouver d'autres informations. Elle parlait d'un portail, mais il n'y avait pas plus de détails. Si je veux survivre, je dois découvrir, en découvrir plus et faire attention à tout moment ou bruit suspect. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer dans les bois, mais il me semble voir quelque chose dans le noir qui bouge juste là, près des arbres. Ok. Alors je vais éteindre ma lanterne et marcher doucement. Oh non, je vais courir. Vas-y. Non, le piou-piou. Non, le piou-piou. C'est quoi qui fait bip-bip? Ah, c'est là. Il y a un truc ici. T'étais pas allumé toi tout à l'heure? Ok, ça sert à quoi? Je peux faire quelque chose? Non. Ouh. Ok. Bon bah, on va courir hein. Tu es avec la lanterne allumée parce que comme ça, on sert de cible. Coucou, je suis là. Coucou. Est-ce que tu me vois? Non. Est-ce que je peux y aller? Non, je peux pas. Coucou. Coucou. Tu veux pas me bouffer? Ce bruit. Ok, tout va bien. Tout va bien. Alors attends, je pense que je dois suivre les indications, très certainement. Ces trucs-là, ça doit m'amener au portail. Il y a le symbole dessus, forcément. J'ai vu qu'il y avait une autre lumière là-bas, par contre. Non, bon, on va suivre par là. Oh non, c'est bloqué. Mais dis pas que c'est bloqué. Oh! But! Oh oh! Très bien. Oula!
T'es un portail? C'est le... Non. Va couiner ailleurs. Arrête de m'embêter. Je suis gentil. Ma chair n'est pas bonne. Je suis un tas d'os. Ah, j'ai que de l'os. Tu pourras pas manger. Quelqu'un? Ok. J'ai l'impression qu'elle est juste en train de couiner, mais tout va bien. Hello? Es-tu le... la créature? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu es là-dedans? Je dois venir te retrouver. On va se serrer dans les bras et chanter Kumbaya ensemble. Hello? Y a quelqu'un? Je viens en paix. Je suis gentil. Ils ont fait une invocation, en fait, ils ont invoqué Hellboy. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Examiner. Ouh, une page. Grâce au livre, nous obtenons de plus en plus d'indices et ce que nous sommes en train de découvrir est très intéressant. Les grandes pierres disposées en cercle dans le bois sont d'anciens monolithes et il y a un lien entre elles et la machine. Un dessin représente en effet deux gros pylônes au milieu des monolithes et ils semblent servir à canaliser l'énergie de la machine à un endroit précis, sur une petite plateforme circulaire. Les pièces métalliques que nous avons trouvées dans la chambre secrète semblent faire partie de cette structure qui a été démantelée. Nous essaierons de la reconstruire exactement où elle était parmi les anciennes pierres. Était-ce un moyen? Examiner, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire d'ici? Bah des sacrifices comme d'habitude mec. Je sais pas ce qui te surprend. Est-ce qu'ils étaient en train d'essayer de reconstruire le portail pour que ça le... ça enferme la créature? Ouh, il y a du monde en bas. Ouh, il y a du monde. Eh ben allons-y. Suivons le bruit de la créature. Eh hey, hé, avec joie et allégresse. Est-ce que je peux sauter directement dedans? Je pense que oui, mais à mon avis, ça mènerait à ma mort. Très certainement. Youhou! Oula, c'était juste. C'était très très juste. Quelqu'un? Non, c'est bon. Elle est partie faire ses petites affaires, la créature. Elle est pas sur moi. Ouh, papier. Mes deux amis et moi chercherons un abri dans la vieille mine abandonnée pour nous cacher... Oui, une vieille mine abandonnée, c'est vrai que c'est connu. C'est toujours ultra safe. C'est la faute des élus cette fois encore. Nous ne pouvons pas vivre de cette façon, chaque fois en payant pour leur curiosité. Ces derniers jours, ils étaient excités, ils ont sûrement découvert quelque chose d'incroyable. Évidemment, ils n'ont rien dévoilé, mais j'ai vu que l'un d'entre eux, celui qui vit dans l'étable, a des documents concernant ce mystère. J'ai volé ses clés pour en faire une copie afin de nous glisser dans sa maison, mais tant que cette créature est là dehors, nous resterons cachés. Je dois donc aller dans la mine abandonnée pour aller ensuite dans l'étable. Il devrait y avoir quelqu'un dans cette mine, ils pourront peut-être m'aider. Ah bah la mine est à côté, cool. Je fais comment pour passer? Je ne prendrai pas le risque de sauter si loin, je dois trouver quelque chose qui me permette de franchir le fossé. Curieusement, je suis d'accord avec toi. Ça me semble un peu loin pour tenter un saut à la Lara Croft. Hein. Peut-être là-dedans. Hello? Il y a des trucs là? Est-ce que je vais trouver encore une échelle? Ou alors je vais sculpter, je vais prendre du bois, puis je vais sculpter une petite plateforme pour passer directement de l'autre côté finalement. Pas besoin de faire compliqué les mecs. Il y a un truc là. Ok. Est-ce que je peux grimper? Pourquoi je peux grimper ici? Il doit y avoir quelque chose. Hello? Ok, il y a rien. Est-ce que je peux sauter dans l'eau pour aller directement? Je pense que c'est une mauvaise idée. Mais les mauvaises idées, moi, ça fait deux. Yeah. Aïe! Bah, non, t'as pas pu te péter les genoux là-dessus. C'est passé haut. Bon, cette fois, on va aller tout droit. Hein, on va suivre. Oh! C'est intéressant le dessin. C'est quoi? C'est les membres du Ku Klux Klan, mais version. Ch'tululu? Ch'tululu? Y'a quelqu'un? Ok. Non, c'est pas du sang. Ça va. Ça me rassure. Pendant un instant, j'avais l'impression de faire de flip-flapo dans le sang. Et me baigner dans le sang, c'est pas tellement un plaisir. Hello? Ok. Normalement, je peux passer là? Non? Ah, mais c'est parce qu'il y a des petits picots, les malins! Comme ça, je peux pas passer directement. Ah. Pourquoi mettre des pics? Ça me semble bizarre quand même, hein, comme dispositif. Tu protèges de quoi exactement?
pensais que quelqu'un pouvait couper et directement sauter. Oh. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je t'assure! J'étais en train d'admirer ta statue, mec. J'étais pas du tout aux prises sur le fait de te voir, de te spotter. J'étais occupé à regarder ta statue. Pourquoi m'attaquer? Es-tu gentil? Hello? Comment tu as pu me voir? Hello? Je comprends pas. Je l'ai pas vu en plus. Je me trompe peut-être, mais il était pas là, le mec. Ok. Oh, il est moins terrifiant que ce à quoi je m'attendais. Hein. Je m'attendais à pire. Finalement, ça va, facile. Donc en fait, la statue en haut, c'était pas suffisant. Il fallait en plus créer une énorme statue. Oh, la bouboule. Non? Mais tu m'as pas vu, je suis accroupi. Je suis accroupi! Non. Je suis accroupi. J'ai la lumière! Non! Non! Malheureusement, il va falloir que je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, me laisser un commentaire en vous disant à la prochaine. Ciao!